Aujourd'hui, on est là pour le shooting photo pour le voyage extraordinaire de Jules Verne. C'est une première journée un peu spéciale puisqu'on n'a pas encore répété, donc on découvre les costumes. Enfin fini, on découvre les copains habillés, les marionnettes. Donc c'est la première fois que je m'habille comme mon petit Jules. Donc voilà, c'est mon petit moi. On est tous passés les uns après les autres, on se fait pomponner, maquiller, mettre en costume, qui sont enfin prêts. Et voilà, on passe chacun notre tour et par petits groupes pour faire des petites photos entre nous. En tissu qu'on peut, on peut le mettre ça, juste là devant. Ouais, plutôt des bandes, tu sais, fines. Voilà, c'est ça. Ça, c'est top. Ah bah, l'histoire de Jules Verne, alors c'est une vraie histoire originale parce qu'on replonge dans l'enfance de Jules Verne à l'âge de 12-13 ans. Ses parents décident de l'envoyer au pensionnat, donc il pourra plus raconter d'histoire à ses frères et sœurs. Les personnages qu'il a créés ne veulent pas spécialement qu'ils deviennent grands. Et un soir, il se fait enlever par un de ses personnages qu'il a inventé. C'est un spectacle pour les adultes qui vont amener les enfants. Il y a vraiment plusieurs couches de lecture, des univers qui se télescopent et qui plaisent autant aux enfants qu'aux adultes. C'est une grande, grande aventure à découvrir en famille. Fais des histoires, envoie-nous dans les airs. Fais-nous naviguer parmi nous sous les mers. En 80, je ferai le tour de la terre. Fais des yeux grands ouverts. La prochaine étape, c'est les répètes, qui commencent dans 3 jours. Au total, on est 15. Et on va commencer à travailler les scènes. On a enregistré l'album déjà aussi. Donc là, 6 semaines de répétition, je pense. Et puis le 17 octobre. Objectif 17 octobre au Théâtre Mogador. C'est quand même un luxe de pouvoir jouer là-bas pendant plusieurs mois. Donc je suis vraiment ravie, quoi. J'ai vraiment trop hâte.